Bienvenue dans le sixième et dernier paraître journal. Moi, c'est Dudley Aurelius, Gabriel René, dans le micro pour présentation journal. Là, Hollandais Auguste, sous console là, pour manœuvre technique. Bonsoir Hollandais, bonsoir Gabriel. Bonsoir Dudley, bonsoir Hollandais, bonsoir tout le monde. Bon week-end, bienvenue dans le dernier paraître journal. Mais quelques points pour nous développer dans le journal l'après-midi, quatre machines blindées MRAP. Rivé dans l'aéroport international Toussaint Louverture, dans Port-au-Prince, jeudi samedi, à bord deux avions militaires américains, dans quatre coups de main pays États-Unis, à bay force multinationale, Kenya bien pour diriger, pour rétablir l'ordre dans le pays d'Haïti. D'après ça, journaliste radio Kiskea est capable de constater. Et c'est jeudi à tout, premier ministre Gary Coney retourné dans le pays, après plus passé une semaine, les sauts faits aux États-Unis, dans le cadre de sa équipe, les relais une mission officielle. Pendant le fait bilan voyage ça, Gary Coney dit bandit yo pas gagné un peu le temps devant yo pour yo déposer les armes et puis reconnaître autorité l'État. Premier ministre Gary Coney confirmé Banque Interaméricaine Développement promet la mettre 40 millions de dollars américains dans chantier qui est important pour gouvernement transition en tant que sécurité. Sous parole qui fait connaître et gagner une mésentente entre lui-même et le conseil présidentiel là sur objectif voyage lié aux États-Unis. Premier ministre Gary Coney fait connaître et informé conseil présidentiel là attend sous voyage ça et puis considérer ça tant qu'un simple malentendu. Qui a un processus formation conseil électoral provisoire avancé. Administrateur Confédération nationale vaudoisien haïtien KNVA, Evans François, déclaré, il n'y a pas qu'on recevoir formellement l'aide exécutive transition pour choisir représentant secteur vaudois dans le conseil électoral provisoire. Dans une interview de Bay Radio qui se journée samedi, il fait connaître, il y a plein de correspondances pour confirmer le choix de mettre Newton Louis Saint-Just pour représenter le secteur vaudois dans le KEP. Présidente Fédération Organisation Femmes pour Égalité Droits Monde, FEDOFED, Nouvia Augustin Alusma, déclaré secteur femmes nan pour recevoir officiellement l'aide conseil présidentiel transition qui gagne à Oué, ak choix yon représentant nan nouveau conseil électoral provisoire. Nan yon interview Libye Radio Kiskeya Jodian, li fait connaître, li te parlé à conseiller Frenel Joseph, qui te promet la prele le sous-dossier yon, mais li pour fait ça. Président A.I. Patsy Mokrena, Mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, ancien député Sadrak Dieudonné dit qu'il faut que vous ayez membre conseil présidentiel transition à gouvernement en tant que nécessaire pour mettre en application ça a gagné comme vision pour le pays. Pasteur Sadrak Dieudonné exprimé inquiétude li pour être gouvernement pas mettre population au courant de plan li gagné pour résoudre crise là. Et concernant processus, formation, conseil électoral provisoire, ancien député a dit, l'ICOE, il y a l'autre problème qui est urgent, qui devait résoudre avant question élection. La veille date 7 juillet à Cap-Maqué, toi l'année, depuis commando t'es rentré, la caille président Jovenel Moïse, et puis assassiné dans Chamli, plusieurs citoyens dit au regret jusqu'à présent, lumière pour qu'on fête sous Azak assassinat ça. Citoyen Sayo qui parlait à Radio Kiskeya Jodia sous Chanmas, dit au espérer équipe transition à travail sur dossier ça, pour l'hôtel crime capable de payer. Pour ça, il été fait. Dans l'occasion Journée internationale coopérative qui fêtait chaque premier samedi mois juillet, directeur général Conseil national coopérative Yo Leslie Alexandre a annoncé quatre gros chantiers pour l'année 2024 là qui c'est projet géolocalisation coopérative Yo, regroupement coopérative Yo par filière et puis payer frais cotisation Haïti dans alliance coopérative internationale dans commencement année fiscale. Et puis, une actualité à l'autre bord de l'eau aux États-Unis, président Joe Biden qui en bas gros pression pour le quitter Kouslan, annoncé li pap fait bac sous candidat li pour élection mois novembre. Nan, nan yon interview li bay chaîne nan télévision ABC, chef l'État à la Maison Blanche lan, mette sous côté toute critique qui a poté sous état mental li, fait connaître s'il retire kol nan politique, c'est comme s'il ta mouri, et puis déclaré li kwè nan chance li pour li battre Donald Trump. Deuxième tour élection législative en France qui doit dérouler demain dimanche dans l'Hexagone commencer jeudi dans différents départements et territoires français et dans l'autre région dans le monde tant que Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Polynésie française. Premier sommet entre chef l'État Mali, Burkina Faso et Niger fini dans Niamey. Dirigeant yo aussi hein, et puis adopté quatre documents qui engagent pays sa yo tant que traité qui gagne pour la création confédération
Nation AES, règlement intérieur collège chef l'État AES. Paris qui apparaît pour l'accueillir athlètes et visiteurs dans le monde entier pour 3 semaines à l'occasion Jeux olympiques et paralympiques été en baillant tension à cause d'élections législatives avant les yo. Chalet, qui est content, qui était gagné dans la capitale française là pour événement ça, vient céder la place, bail qui est sauté. Et puis, ministère de la Santé, gouvernement Hamas, dirigé dans la bande Gaza, a annoncé jeudi, il y a 16 personnes qui ont perdu la vie dans une attaque Israël fait sur l'école qui servit à abri provisoire pour un pile dans déplacé dans nous qui trouvait l'habitant territoire palestinien. Voilà, monsieur, dame, point sérieux, avec plusieurs autres, pour le fait essentiel, journal après-midi. Nous, c'est Dodley Aurélius à Gabriel. Oui, nous, 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 4h à 14 minutes, nous retournons après pause là pour développement journal là. 4 machines blindées, MRAP, rivées dans l'aéroport international, Toussaint Louverture, jeudi samedi, à bord de avions militaires américains, dans quatre coups de main, pays États-Unis, à bail force multinationale, sécurité, Kenya, dirigé pour tablier, rétablir l'ordre dans le pays d'Haïti. D'après ça, journaliste radio Kiskea qui était sous place était capable de constater. Faut que nous disions jeudi à tout premier ministre Gary Conner retourné dans le pays après plus passé une semaine les solfaire aux États-Unis dans le cadre de sa équipe les relais en mission officielle. Gary Conner dit bandio gagné un délai limité pour déposer les armes et puis reconnaître l'autorité de l'État. Dans une conférence pour la presse jeudi samedi à l'aéroport international Toussaint Louverture, Gary Conner renouvelé volonté de dire gouvernement li an gagné pour reprendre contrôle territoire qui a bamé gang criminel et puis plaider en faveur nécessité pour victimes et joindre justice avec dédommagement. Li rappelé l'État pral reprendre contrôle territoire. J'en ai dit déjà, quartier par quartier, ville par ville, caille par caille, pendant le conseiller gang criminel yo rend tête yo ba la justice parce que la li pa Tanyo indéfiniment. N'a pas côté Gary Conner, la parole dans le micro journaliste parmi eux, Joubert Joseph, qui était présent pour Radio Kiskea. Pour moi, la question de sécurité, il y a quatre priorités. Première priorité, moi, c'est que tout côté, l'État pas là, faut retourner avec l'État. Affaire de territoire que ne pas contrôler, il y a son priorité pour moi, pour l'État reprendre place, retourner, institution retourner, et que zone retourner en possession, en contrôle, en supervision, l'État. Deuxièmement, et ça, son gros priorité, il faut que l'État soit capable de retourner la caille. Il faut absolument que l'État soit capable de retourner la caille. Troisième priorité, il faut que l'État soit capable de circuler dans le pays, sans que sauter. Absolument sans que sauter. Monter, descendre, que coule dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que les gens qui sont victimes, il faut qu'ils joignent justice et réparation. Il faut qu'ils joignent justice et réparation. Tout ça me fait depuis le mini, et tout ça me fait jeudi, incluant le voyage, et tout ça me va le faire dans les prochains mois, d'ailleurs, clair, c'est autour de 4 priorités. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour le premier contingent en ville. On travaille avec la police pour nous renforcer. On travaille avec la justice pour la justice présente. On travaille avec partenaires pour nous bannir les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons task force entre la police et l'armée pour nous capables agir en tandem et pour nous capables beaucoup plus efficaces dans ça. On a analysé avec toute équipe, nous, toute entité mienne, comment nous allons avancer pour nous récupérer et me dire nous ça plusieurs fois, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, je suppose nous, nous supposons nous comprendre. Et c'est sous ça qu'on continue à aller. C'est clair. Pas de débat sur nous. Nous avons 4 bagailles que pour nous capables de sortir dans ce là de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut. Pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde. Bon, par contre, si peut-être ça il suffit de pour un peu mieux, ça nous l'est dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme qui est là pour ça. Pas qu'il n'y ait aucune discussion pendant qu'on a un fusil, un revolver, un arme ou quoi que ce soit. C'est la première dimanche. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État, laisser les tas qui contrôle les cotoyers, ou va camper là, et bien vous dites, moun bakal là. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, pour présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comme on m'a plus clair. Le coup n'y a où, reconnaître, ou accepter l'autorité de l'État, ce cas, si vous voulez parler, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons fait sauver. Mais il y a des choses, des préalables. Et c'est sous ça que nous travaillons nous-mêmes de 2 semaines, 3 semaines depuis le gouvernement là, maintenant. Et m'a profité de ça. Bon espace limité, pas attendre indéfiniment pour déposer les armes, pour suspendre le brigandage. Nous disons l'autre jour, film ça va gagner l'autre jour le fini. Haïti n'a pas perdu. Ça prend un jour, ça prend 2 jours, ça prend une semaine, mais nous n'avons pas perdu la bataille. Ça. Et peuple haïtien va jamais suspendre la bataille. Donc, bonne fenêtre, déposer les armes pour reconnaître l'autorité de l'État. Parce que
Est-ce que suffisamment clair, je dis, est-ce qu'il y a un doute sur côté nous aller? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement nous qu'a fait autour de moi? Est-ce que nous y a un doute sur construction qu'a fait autour de moi que nous va pour prendre quartier, nous va pour prendre caillou, nous va pour prendre vie nous et que nous va pour prendre pays. Si y a un doute sur ça, eh bien je dis à me nous connaît pas y a un doute sur ça. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on parle d'un pile d'intoxication. Nous-mêmes journalistes dans la presse, là, nous connaissons le conseil de bagaille, leur commencement et la corruption. Leur dit comme ça que, ou pas quitter, ou faire abus l'administration publique, là. Leur commencer dit comme ça que, ou pas quitter, ou balkaniser l'administration publique, là, pour l'un de mes mauvaises façons. Leur dit qu'on peut l'attaquer, problème passeport. Leur dit qu'on va pas avancer, ou même sous élection. Attendons à ce que gagne pile d'intoxication. Et défiltrer ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable. Mon équipe de presse cap toujours disponible pour nous rétablir la vérité. Je dis à la fois tout le monde dans le pays a fait une coalition combite pour nous sortir dans sa nière. On ne va pas perdre du temps dans la rivalité. Nous n'avons pas de temps ça. Nous avons une population captain. On nous était sous côté n'a pas avancé. On nous est côté de vérifier. Puis on travaille ensemble. Déclaration Premier ministre Gary Conille sur nécessité pour gagner déposer des armes et puis reconnaître l'autorité de l'État si vous avez avec la justice. Si la justice a cherché que vous rentrez tête et puis après, si pour parler, il y a parlé. C'est déclaration Premier ministre Gary Conille qui retournait jeudi à dans le pays. Il mettait en garde contre ça que l'intoxication, mais il dit n'a toujours une équipe de presse. Cap là pour rétablir la vérité. Sans doute, il connaît de qui ça, il a parlé. De l'autre côté, Premier ministre Gary Conille, il a dressé bilan plusieurs jours, il s'est passé aux États-Unis, et puis il a annoncé Banque interaméricaine développement BID promettre d'investir 40 millions de dollars américains dans un chantier qui est important pour le gouvernement transition en tant que sécurité. En côté, on fait encore déclaration, Premier ministre Gary Conille, dans le micro journaliste là-dedans, Joubert Joseph. C'est toujours un bail qui est très difficile. Bon, responsable à rapporter, il y a une première nouvelle, c'est que dans des circonstances difficiles, nous avons jusqu'à présent cap victime, dans conditions qui sont tout à fait inacceptables. Réité engagement, la police a fait tout ça capable. Une genre de situation, ça est suspendu. Depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères, nous, au Paraguay, côté d'avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous. Pour le bon ton message, pour dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Et un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap machine. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État ici a vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liée à son période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti. Nous sommes capables de retourner dans le projet Haïti. Nous sommes capables de vivre ça Haïti à PCF pour nous solidariser nous avec nous. Même Jean Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays, le l'autre pays a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié discussion ça. Nous-mêmes, nous partons à Washington. Nous partons à Washington avec le ministre des Finances. Nous partons à Washington avec le gouverneur de la banque. Nous partons à Washington, ministre des Affaires étrangères, qui était déjà sur le Paraguay, vient joindre nous. Pour nous parler d'abord avec institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré Banque mondiale. Et nous là avec le ministre des Finances, là, parce que c'est gouverneur Banque mondiale. Nous là avec le gouverneur de la banque, là, parce que c'est LIC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons une discussion très constructive avec eux. Encore une fois, pour nous dire, 4 bagages. L'un garde pour nous un niveau d'accompagnement à Haïti qui ne peut pas mener nous côté de Balia. L'un garde pour nous une rapidité avec laquelle le décaissement fait nous pour qu'on satisfait. L'un garde pour nous une contextualisation priorité, nous pour qu'on tellement ouais, une tarimée ouais, mieux. Le but, c'est de rassurer eux, même si vous avez une pile question pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois, est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité. Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons gagné espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre la santé sous pied. Pour que l'État a recommencé à bailler appui à l'institution. Pour qu'il y ait un programme social qui pourra accompagner les gens tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous avons avancé la question sécuritaire. Immédiatement après discussion sérieuse qui est faite avec l'institution sérieuse, le ministre finance avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Je suis d'accord avec nous que nous allons ouvrir le portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine là, et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Là. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de ça qui sorti de eux. Plus particulièrement, Bid dit même, dit nous, bien content de nous vivre là, parce que justement, 40
40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite pour nous comment nous réinvestir le moment pour compléter soit dia qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement qui est indispensable pour nous faire progresser tout dans la question sécuritaire. Au tap côté déclaration premier ministre Gary Kone qui était fait bilan et plusieurs jours il passé aux États-Unis et puis il était profité annoncer Banque Interaméricaine Développement BID lui promettre libéral investi 40 millions de dollars américains dans chantier il dit qui est important pour gouvernement là-dedans insécurité sous parole qui fait qu'on a intégré en fiction entre lui-même et conseil présidentiel là sous objectif voyage lié aux États-Unis. Gary Kone, qui t'a répondu à une question journaliste, fait qu'on a été informé conseil présidentiel là à temps sous voyage ça et puis il considérait ça tant qu'un simple malentendu. Il en faut encore à côté Gary Kone. Effectivement, madame là-bas, mais ouais, ben elle a fait un paquet de balampil. Ce que m'a dit nous pour sûr, c'est que nous-mêmes nous faisons deux bagailles. Nous écrit CPA à temps, et CPA évidemment recevoir l'être noir à temps. Et comme je le fais en plus de l'être envoyé, m'assurer que nous voulons un texte by chaque CPA en particulier pour me dire que nous voulons l'être bas nous. Si jamais nous pouvons recevoir l'être là vini. Mais voici dans quelles conditions que moi je pars, voici pourquoi je pars. Et c'est après avoir eu évidemment des discussions informelles là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que c'est des problèmes de communication, beaucoup plus d'autres choses. Mais nous-mêmes, nous connaissons que administrativement, nous faisons tout ça, nous avons pour le faire. Et j'ai été informé en temps réel de l'objectif et de ça n'a pas été réalisé. Donc bonne occasion tout pour me dire que, encore une fois, démarche qui entrent dans le cadre coopération externe. Et évidemment, du ressort du gouvernement, pour en discuter de partenariat dans le cadre du développement et de la sécurité. Et régulièrement, nous sommes disponibles pour des bails CPA, des comptes rendus sous état d'avancement et discussion si jamais vous voulez gagner. Mais nous allons gagner des discussions encore, je suppose, avec le lundi, mardi. C'est sûr que nous n'avons pas prendre travail à l'autre. Et dans le cas d'apprentissage, ça, c'est au fur et à mesure que nous allons comprendre comment la communication est faite pour que toute partie soit responsable. Même cas vraiment, et pas les personnes n'y doute de ça. Jusqu'à présent, collaboration, coordination, dialogue avec CPA excessivement constructif. Et moi-même persuadé que nous continuons à avancer. C'est pour nous délivrer pour le peuple haïtien. Nous sommes côté déclaration Premier ministre Gary Kone. Administrateur Confédération nationale vaudouisan haïtien Yvan Saint-François déclaré pour recevoir formellement l'aide bon côté exécutif transition qui mandé pour choisir un membre pour venir représenter secteur vaudouan dans le prochain conseil électoral provisoire. Dans une interview de Radio Kiskeya jeudi, il fait connaître il y a tant de correspondance là pour confirmer choix Maître Louis c'est juste pour représenter le secteur vaudois dans le KEP. Il était profité de répondre à l'autre organisation dans le secteur qui dénonçait dirigeant KNVA. D'après avoir, c'est eux qui toujours désiré moun dans le conseil électoral provisoire lorsque chargé l'autre organisation. Il fait connaître, ce n'est pas eux-mêmes qui fait choix strict KNVA, mais ils ont levé joint tradition ça, qui voulait c'est KNVA qui représentait le secteur. En côté déclaration, administrateur KNVA, Yvan Saint-François Namikoué Hervé Noël. C'est vrai que KNVA il y a un choix pâle et je pense que nous n'avons pas dû aller trop vite tout. Nous prétendons jusqu'à présent que vous voyez l'être à nous. Nous te dit ensemble, c'est l'être que vous voyez l'être à nous. Même lorsque nous toujours gagnons un choix mettre nous tonne, qui toujours mettre nous dans nous et comme nous que nous désigné pour nous voir dans le conseil électoral là. Mais la prétendue jusqu'à présent et conseil présidentiel là, qui me trouvait qui toujours a fait un bon travail et me félicite yo, la prétendue et pour nous capables de chiter ensemble avec l'autre monde qui est dans le secteur là, pour nous toujours maintenir et choix, mettre nous ton lui service dans le conseil électoral. Et docteur Louis-Gérald Gilles qui dit nous recevoir déjà correspondance qui gagne avec désignation choix et représentant dans le conseil électoral provisoire là. Oui, et ça qu'a fait, mais nous-mêmes, et on dit que nous gagnons adresse électronique, nous, que nous vérifions déjà que nous pouvons rejoindre, tant que j'aime tout à l'heure, nous rejoindre maintenant. Mais normalement, exactement, et Radio Kiskeya, c'est depuis que nous avons confirmé le choix, nous, et où c'est le premier monde qui a bailli, et ce couple-là, et a voyé pour nous dire que le choix, nous, toujours maintenu, et c'est nous pas gagner l'autre choix. Et nous-mêmes, ensemble avec tout le royaume vaudou qui gagne concertation avec Zantraï, et puis l'autre organisation qui est dans le secteur vaudouan, soit que pas nous gagnons, ce soit mettre nous tonne. Mettre nous tonne, lui, c'est juste. Et nous exiger vraiment
et il faut qu'il y ait sécurité, il faut gagner la vie continue, faut que la vie reprend dans le pays, parce que pas de monde là, de quoi parler là pour dire comme si vous avez qui porte bagage pour aller, il faut qu'il y ait sécurité, mais nous pas prendre comme si comme on prévoit, comme on dit ça, nous pas prendre comme si comme on bouc émissaire, comme si vous nous dit, et faut, non, c'est ensemble. Oui, nous voulons sécurité. Oui, il faut qu'il y ait sécurité. Même qu'on est dans pile travail qu'a fait au niveau conseil présidentiel là et à travers le premier ministre pour sécurité établie dans le pays. Et puis pour nous arriver et joindre élection et élection qui va le porter des élus pour qu'ils mettent bon gens et bon gens sécurité vraiment dans le pays et pour le pays à revivre. Nous sommes d'accord avec eux. Et nous-mêmes, tout dans le secteur, nous exigeons ça. Nous exigeons qu'il faut gagner des principes et sécurité d'abord. C'est ça. Guy Kavener, qui c'est l'autre organisation dans le secteur vaudois qui te voit jeter toute l'idée pour ces petits groupes qui toujours choisi représentant pour voir dans le conseil électoral provisoire là, qui j'en entendais et annonce à bon côté Kavener. KNVA, c'est Confédération nationale vaudoisant haïtien. Jodian nous tous levés et nous venons joindre. KNVA, ce n'est pas initiative nous. KNVA peut-être que c'est initiative l'État. Que nous pensons que nous ne pouvons pas vraiment pour nous élaborer, pour nous parler des choix ou bien pour nous dire que comment KNVA fait former. Je dis, si nous disons que nous prenons interface pour le secteur vaudois, mais tout le monde connaît référence à ce KNVA allié. Je dis, si nous disons que nous voulons parler avec nous pour vaudois, tout le monde connaît, nous avons Ouaseklou, nous voulons parler et nous avons toujours joué Ouaseklou pour nous parler qui c'est le royaume vaudou d'Haïti. Mais nous ne pouvons pas dire que. Et nous ne pouvons pas dire si nous parlons de vaudou, jodi, pour nous prendre référence, pour ne pas prendre une confédération qui est bien chapantée, qui dans tout département, y compris dans tout le 11e département, qui est Gweto, Ogon, qui est tout le monde la donne, et avec Centrail, pour ne pas dire que ce n'est pas bagaille qui est bien échappanté que KNVA. Et depuis nous parlons de vaudou, nous tous référence, c'est Confédération nationale vaudou haïtienne, c'est KNVA. Ça n'a rien menti la donne. Et ce n'est pas la première fois tout. C'est pas la première fois. Et nous croyons ça a toujours fait. Depuis 2007, KNVA, c'est siège que nous avons toujours gagné en dans le Conseil électoral provisoire.